Salut tout le monde! Bonjour à tous. Et bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le moment tant attendu, donc la découpe de la cellule avec le biseau. Donc on vous montre tout ça dans cette vidéo. Au passage, vous verrez que la découpe puisque on avait prévu de tout couper, reboucher rapidement, mais bon, le temps c'est pas ça. Et puis ça a pris plus de temps que prévu. Oui, c'est ça avec Julien, c'est qu'il pense que tout se fait en quelques heures, mais il y a toujours des petites surprises et tout dure deux fois plus de temps que prévu. Mais bon, une grosse partie a été faite grâce aussi à des renforts. On a eu quelques bras supplémentaires. On les remercie d'ailleurs. Donc je remercie mon beau-père, mon beau-frère et également mes neveux qui sont venus nous prêter main forte pour nous aider sur cette découpe parce que je pense que tout seul, ça aurait été vraiment très très galère. Donc voilà, on vous laisse regarder tout ça. Et ben voilà, on vous laisse regarder la vidéo et puis vous verrez les explications de ce que j'ai prévu pour la suite. Ah, attends, j'ai oublié, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas toujours à laisser vos commentaires et puis, ah oui, la petite cloche aussi pour être alerté justement sur nos nouvelles vidéos. Et ben à tout à Voilà. l'heure. Donc, comme on avait prévu, on va couper l'arrière de la cellule et couper le biseau. Voilà. Donc, j'ai du renfort avec moi, un peu de famille, voilà, qui va nous aider dans cette étape. Voilà. Donc, on va couper tout ça, on verra si on respecte le temps et on verra si on a le temps de fermer la cellule. Voilà. Et bien, sûr. Thank you.
Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. C'était vraiment un gros gros boulot, une grosse étape de fête, donc on est super content. Comme on vous l'a dit précédemment, on n'a pas eu le temps de tout reboucher. C'est vrai qu'avant cette vidéo, on pensait avoir le temps, mais la pluie ne nous a pas aidé à avancer. Mais voilà, dans la prochaine vidéo, on vous montrera quand même le rebouchage de cette cellule enfin. Et puis, chose qu'on n'a pas non plus avancé, c'est la peinture du châssis. Donc chose qu'on espère faire également pour la prochaine vidéo si le soleil arrive enfin. Et oui, bah, comme on dit, comme Audrey dit, il y a plusieurs opérations qu'on n'arrive pas à avancer à cause de la pluie, du mauvais temps qui n'est pas terrible. Donc pour pouvoir fixer la cellule, il faut qu'on finisse la peinture. Et pour la peinture, il faut qu'il fasse sec et pas trop humide. Voilà. Donc on n'y arrive pas. Ouais. Mais bon, on promet qu'on va y arriver. Ouais, d'ici la prochaine vidéo, ce sera fait. Je croise les doigts. Et ben voilà, on vous dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur les réseaux sociaux, activer la cloche et tout ce qui va bien. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt. À bientôt.